Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième déballage du mois d'octobre où vous découvrirez notre sélection hebdomadaire de jeux vidéo. Voici les titres attendus pour cette semaine. Professeur Layton et le masque des miracles. Killzone Trilogy. Forza Horizon. Et enfin Medal of Honor Warfighter. Bon visionnage! Doraemon sera bientôt détruite. Ceux qui se soumettront au pouvoir du masque seront épargnés. Depuis maintenant plusieurs années, le professeur Layton ravit les petits et les grands sur les consoles portables de Nintendo à travers ses aventures dignes d'un certain Sherlock Holmes. C'est donc sans étonnement que le dit professeur fera son retour le 26 octobre dans un nouveau jeu de réflexion-aventure développé et édité par Level 5. Cette fois, le professeur se confrontera à son passé, l'occasion pour les fans du détective au chapeau haut de forme d'en apprendre plus sur ce héros qui, une fois n'est pas coutume, réfléchit davantage avec son cerveau qu'avec ses muscles. Issue de la PlayStation 2, la série Killzone nous mettait dans un contexte où les Helghast, les habitants d'une planète très inhospitalière, envahissaient la Terre et nous faisaient revivre une oppression inspirée des régimes hitlériens, notamment par leur apparence et leur comportement. Loin de se laisser abattre, les humains s'organisèrent en mouvement de défense, ce qui donna lieu à deux autres jeux développés sur la PS3 qui nous permettaient de vivre leur contre-attaque, voire leur assaut final sur Helghast. Concluant ou non, il n'appartient qu'à vous de connaître le fin mot du conflit entre humains et Helghast dans ce Killzone Trilogy, édité par Sony et développé par Guerrilla pour le 24 octobre. Le soft est déconseillé aux moins de 18 ans pour la violence du conflit. L'une des séries des FPS les plus appréciées de la PS3 n'attend que vous pour découvrir ou redécouvrir ces trois titres sanglants. Our enemies at home have been re-educated. We have given them new insights into our cause. On this day, we stand united once more. On this day, those driven to divide us will hear our voice. On this day. You're listening to Horizon Base Arena with me, Scott Tyler, on the first day of the Horizon Festival. Après Nintendo et Sony, c'est au tour de la console de Microsoft de mettre en avant son jeu de la semaine. Cette fois, place aux jantes saillantes et aux moteurs grondants avec ce nouveau jeu de course, Forza Horizon. Développé par Playground Games et édité par Microsoft, l'avantage du jeu s'incarne dans sa malléabilité qui permettra autant aux néophytes qu'aux puristes de simulation automobile de se jeter sur les routes du Colorado aux commandes des bolides proposés dans ce titre dès le 26 octobre, et ce, en exclusivité sur 360. Il y a maintenant 2 ans, la série quasi enterrée Medal of Honor revenait sur le devant de la scène en écartant la Deuxième Guerre mondiale pour se concentrer sur le conflit irakien.
Déroutant par son cadre contemporain et accueilli volontiers par son multijoueur signé DICE, le jeu s'offre une suite en la personne de Medal of Honor Warfighter, développé par Danger Close et édité par Electronic Arts. Ce FPS, déconseillé au moins de 16 ans et disponible pour le 25 octobre, ne se contentera plus de chasser les terroristes en Irak, mais vous emmènera également des Philippines à la Somalie pour casser du terroriste, ce qui semble être devenu la nouvelle vocation de la licence et assurera un multijoueur dans la même veine que le premier épisode. De quoi se faire une place entre Call of Duty et Battlefield. Voilà, c'est la fin de ce déballage. Nous espérons que l'émission vous a plu et aidé à faire vos choix lors de l'achat de vos jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. À bientôt !